à peu près. Et c'est à peu près la même période que j'ai commencé à construire des synthétiseurs modulaires, en fait. Mon but ici, aujourd'hui, c'est pas vraiment de vous faire un cours d'électronique avancée. Je suis là pour vous montrer qu'il est possible de démarrer très facilement. Tout ce que je vais vous montrer, vraiment, vous allez pouvoir commencer le circuit bending demain. On s'attend à une pédagogie, on est là pour apprendre. Montrez-nous, vas-y, je te laisse. Allez, pas tout, mais c'est là, pas tout. Alors, avant de commencer, je vais vous mettre une petite vidéo d'introduction dans laquelle vous pourrez voir des tas de circuit benders différents. Alors, ça va de circuit benders qui sont dans leur chambre jusqu'aux plus grands professionnels qui sont sur scène. Évidemment, je suis dans cette vidéo et je me suis, comme c'est moi qui l'ai fait, je me suis surreprésenté. C'est toi là, le bonhomme là. Oh, trop beau. Patou, tu peux reprendre ton micro si t'as besoin de tes mains. Pas de son ? Pas encore. Pas encore ou ? Non, pas. Ah, t'as pas de son. Mais c'est posé avoir du son ? T'as pas de son ? Non. Non, y a pas de son. Faut mettre la bonne carte son pour que ça joue ? Non, c'est bon. Excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, ça marche. Ah, ouais. Il n'y a toujours pas de son. Est-ce que ce son il part pas dans le Il n'y a pas de volume là, c'est normal. Voilà. Il y a du volume qui arrive, Chalé. Ouais. Alors on repart. C'est ça, là, on est. Oui, ça monte, ça vient. Ça monte, il dit. Oui. Ok. Allez jouer. We'll be right back.
Alongside this, you have a couple of sound chips, including the same one that's in the master system, as well as a brand new spangly one, which is called the YM2612, which is a 6-channel, 4-operator, 8-algorithm FM synthesizer. Bravo Patou! Ça vous a plu? Bravo, merci de nous avoir invités dans ton garage. Alors l'idée c'était de vous montrer un peu qu'est-ce qui se pratique dans le circuit bunting. C'est une sélection très, très personnelle en fait, puisque si vous, vous explorez un peu l'internet, vous verrez qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses différentes. Donc moi c'est une sélection qui est tout à fait personnelle. Vous avez vu des amateurs et des très professionnels, très grands professionnels. Alors No Computer, c'est le plus connu de tous ou je me trompe? C'est un des grands, c'est pas le plus connu, mais si tu veux, il est actuel. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'actualité en ce moment. Ah oui. Et sur son site, en fait, sur son site perso, hein, pas le YouTube, sur son site perso, en fait, sur le lookman de computer, il y a énormément de circuits, mais on en parlera un peu plus tard, tu verras. Il est très bon. On va reparler. Oui, très bon. Alors, on est là pour parler du circuit bending, et le circuit bending, c'est quoi? C'est modifier, au départ, c'est modifier des jouets d'enfants pour en faire des instruments de musique. Mais par extension, c'est aller plus loin. Il y a des gens qui se sont mis à modifier des pédales, par exemple, de guitare, et des synthétiseurs, même de très gros synthétiseurs, des SH-101, des choses, des TR-909, des synthés qui valent très très cher. Et qui ont été modifiés un peu plus tard. Non, tu fais pas ça. Il parle.
Alors, je vous ai montré cette photo. Le circuit bending, en fait, l'idée de modifier des matériels électroniques pour leur faire sortir du son, c'est pas une nouveauté, en fait. Pierre Henry et Pierre Schaeffer faisaient ça déjà dans les années 50. C'est pour ça que je vous ai mis une photo d'oscilloscope ici. Où vous voyez, là-haut, il y a un oscillateur, ici. Vous le voyez, 10 Hz et 1 kg, à 10 kg et 1 kg, ça c'est un outil de calibrage. Mais cet outil, en fait, on peut le modifier pour lui faire faire autre chose qu'un kilo ou 10 kg. Donc en fait, vous comprenez bien que si on branche le haut-parleur sur l'oscilloscope, là, en réalité, on a du son. Ça émet du son. Alors, l'inventeur du circuit bending, c'est lui, Reed Gazala. Mais je vais le laisser se présenter tout seul. En une minute. Chance as it is, I happen to be the man that fell into the crosshairs of circuit bending history due to that accidental short circuit in my desk drawer back in about 1967, the summer of love, when I fell in love with two things, a beautiful girl, Vicky, and a rather unattractive circuit that stayed with me until this day, and I will be electrocuting people with it, including you, if you want me to. Alors, Reed Gazala, qui est l'inventeur du circuit bending, si on peut dire l'inventeur, a écrit un livre qui est fascinant, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui est celui-ci, qui est extrêmement bien fourni. C'est quand même un livre qui fait presque 500 pages, mais je vais y revenir un peu plus tard. C'est un livre que vous pouvez acheter, mais moi, je l'ai téléchargé sur le site de Antithéorie, sur le site de Reed. Donc, vous pouvez l'avoir, ce livre, très très facilement. Excusez-moi, j'ai un trou. Alors, les jouets. Les jouets, je vous le dis... Si vous voulez faire du circuit bending, essayez de collecter le maximum de jouets que vous pouvez. Alors, pour plusieurs raisons. Est-ce que tu as compté le nombre de jouets que tu avais ? Je dois en avoir 350, mais 350. Je ne compte pas les jouets que j'ai cassés, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que quand vous bendez, vous allez en jeter pas mal. Déjà, quand vous les achetez, vous ne savez pas ce que vous achetez. Vous ne savez pas si le jouet fonctionne. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, il y a un autre élément à vérifier quand vous achetez des jouets, si vous pouvez, c'est vérifier le bac à piles, parce que dans la majorité des cas, les piles ont coulé dans le bac, et en fait, les jouets sont inutilisables, à moins de leur mettre une alimentation externe. Ça devient un peu pénible, mais c'est faisable. Est-ce que tu as déjà chez des amis, tu as volé un jouet de leurs enfants ? Jamais. D'accord. Jamais. On m'en a offert, par contre, on m'en a donné des jouets de leurs enfants. C'est arrivé. Tu me perds, là. Les jouets, pardon. Donc essayez de collecter un maximum de jouets parce que vous allez en casser, d'accord, ça c'est la première chose. Et ensuite il y a des jouets qui sont rares, que vous n'allez pas trouver 50 fois, d'accord, qui sont même très rares. Alors là je passe quelques-uns de mes jouets, vous voyez par exemple là il y a le crâne, lui il est anglais. Hein, trouver des jouets qui sont multilingues, ça aussi c'est un problème. Ici en France, on va trouver essentiellement des jouets français. Donc dès que vous pouvez avoir un jouet qui parle une langue étrangère, c'est quand même très intéressant. Ici on parle anglais, ici on parle anglais et français. Ici, vous voyez, j'ai une collection de dictées magiques, hein, qui sont prêtes à être travaillées. Voyons, on va avancer un peu. Bon, des jouets. Le Vador, là. Le Vador, en fait, il n'est pas rare. Mais il est recherché, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Donc c'est un jouet qui est en fait assez courant, mais qui est demandé par pas mal de gens qui ne sont pas des benders, qui sont juste des collectionneurs de Star Wars. Des jouets. Encore des jouets. Alors ma poule, là, vous voyez la poule là-bas. La poule, elle est trilingue. Elle parle français, hollandais et allemand. Oui, mais c'est... ne croyez pas, c'est intéressant d'avoir des jouets étrangers. Quelques jouets mythiques. Alors, des dictées magiques, bien sûr. Le Casio PT10 qui est là, je l'ai ramené, on le tweakera tout à l'heure. Ici, un EK210 et un Gortron, c'est exactement les mêmes jouets. Ce sont des jouets qui sont extrêmement recherchés, ceux-là. Mais ils ne sont pas du tout rares. Hein, des Gortron, j'en ai 5 et des EK, j'en ai 1. Ici, là, alors, je vais vous montrer quelque chose. Ici, un Furby,
D'accord, qui est un objet qui est extrêmement circuit-blindé. Et petit détail, regardez, j'ai fait le boîtier de contrôle dans une souris, une ancienne souris Microsoft. Alors, en circuit-binding, essayez de récupérer comme ça, la récup, ça aide à faire des choses, en circuit-binding. Surtout les boîtiers comme ça. Ici, vous avez un Pikachu qui est relativement rare, mais il n'est pas si cher que ça. C'est un cadeau McDonald's de Japon 1999. Et ce Pikachu, en fait, on peut le trouver sur eBay aux alentours des $30 hors frais de port. Je vous en parle parce que c'est un jouet qui est assez spécial. Il y a un circuit binder japonais qui s'appelle Kazeo, que vous verrez à la fin. Je l'ai gardé pour le générique de fin, qui ne circuit binde quasiment que des Pikachu. Et il est trig avec les TR-606. Donc c'est quelqu'un qui, vous verrez, c'est assez fascinant. Ça, c'est un jouet. Alors regardez, c'est un jouet, il est dans l'état dans lequel je l'ai récupéré. Hein, vous voyez la poussière, il est hyper crade. Alors, c'est un Yamaha PSS 570. C'est une série porta-sound. Alors, il a l'air de rien comme ça. Mais en fait, il a une partie, les rythmiques, qui est du PCM, c'est-à-dire des samples. Mais par contre, la partie synthèse, là, c'est un synthétiseur FM. En fait, à l'intérieur, c'est un OPL2. C'est la moitié d'un DX7. Même pour ceux qui savent de quoi on parle. Donc là, ça offre des possibilités de modification assez importantes, assez intéressantes. D'autant plus que le schéma est disponible. Le schéma de principe, on voit l'OPL qui est là. Ici, on a le schéma de l'ampli qui permet de faire du filtre, qui permet de faire des modifications intéressantes. Mais ce jouet-là, à titre indicatif, moi, je l'ai payé 10 euros. Ça vaut 150 euros, hein, si vous en cherchez un. Sur eBay, par exemple. Je vais vous montrer un autre jouet, le Casio NT65. Oui, celui-là, je l'ai eu à 8 euros, et ça vaut entre 150 et 300 euros. Alors, j'insiste sur les prix, parce que quand on a la chance de choper des jouets comme ça, d'abord, il faut avoir un peu d'expérience avant de les attaquer, parce que ça serait dommage de les casser. D'accord ? Donc, des jouets comme ça, ce sont des jouets qui sont extrêmement fascinants. Là, on va encore plus loin, je vais vous montrer un petit détail technique pour les amateurs. Ici, on a la chance d'avoir le dossier de réparation, de service, dans lequel on trouve des éléments qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, tout le schéma. Ici, on se rend compte que tous les drums, il y a 8 drums dans ce circuit, qui sont chaque drum est un circuit séparé, qu'on peut hardcore blender, en fait, qu'on peut vraiment modifier. Et en plus, on peut même couper le trig qui vient du CPU et triguer de l'extérieur. Là, on vraiment commence à pouvoir faire des bends. Par exemple, là, on pourrait faire une boîte à rythme à 8 voix avec ce jouet. Entre autres, on pourrait faire encore plus que ça. Excusez-moi, j'ai un trou. Je suis perdu. On a le schéma de l'ampli. Alors, c'est très bien d'avoir des schémas d'ampli parce que dans les amplis, on peut faire beaucoup de modifications, de la réinjection, de l'overdrive, plein de tas de choses dans les amplis. Là, je vous parle de choses un peu évoluées, mais après, on va revenir sur les basiques, hein, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer que quand on a des jouets comme ça, ici, on a carrément, regardez, on a la carte mère avec tous les points vers lesquels on peut aller chercher des ondes. C'est une pure merveille. Et dans la notice, c'est encore mieux. Ici, je vais aller un peu plus loin, dans le document de... C'est pas la notice, hein, c'est le document de service. Allez. C'est pour les gens qui le réparent, c'est ça ? C'est ça. Et nous, ça nous permet à nous d'aller encore plus loin dans le bending. Ici, on a carrément le schéma des oscillateurs qui émettent les drums. D'accord ? C'est très simple, ce sont des systèmes avec une résistance et un condensateur. Donc en fait, il suffit de modifier la résistance et le condensateur pour changer complètement l'enveloppe et la texture du son. Ici, les modifications sont vraiment... Il est possible d'aller très loin dans les modifications. Tu nous fais rêver, Patou. Alors, les outils. Il faut des outils, hein, pour faire ça. D'abord, il faut un fer à souder et du fil à souder. C'est un fer à souder pour l'électronique. C'est entre 15 et 30 watts. D'accord ? Ensuite, il vous faudra... Si vous voulez aller plus loin, vous voyez là-haut, j'ai rajouté quelques matériels. C'est une espèce de boule dans une espèce de cendrier en métal. Ça, c'est pour nettoyer le fer à souder. C'est un grinder, non ? Ouais, c'est un tampon-jex qui est à l'intérieur. Au-dessus, vous ne voyez pas trop dans le noir, mais il y a deux autres outils. Il y a une pompe à dessouder, il y a un plieur de composants et il y a de la tresse à dessouder. Ça permettra d'aller plus loin, on va aller plus loin. Ça, c'est l'outil de base, bien sûr.
des tournevis, au moins deux, mais si vous en avez plein, vous pourrez aller plus loin. Alors, la boîte à côté, là, je vous ai fait la boîte, parce que dans cette boîte, en fait, il y a des tournevis, il y a des embouts spéciaux, particulièrement les embouts triangulaires, qui permettront d'ouvrir les jouets japonais. Des pinces, alors il y en a deux, mais si, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, il en faudra d'autres. Et surtout, il faudra ça. Ça, c'est une Bruxelles. C'est un outil qui permet d'aller surtout chercher les vis quand on les fait tomber à l'intérieur d'un jouet, mais qui permet de faire des manipulations avec des petits objets, des câbles, des choses comme ça. Ça, c'est assez important, la Bruxelles. Ensuite, un cutter, mais franchement, un cutter, c'est nul. Il vous faudra une pince Jokari pour dénuder les fils, parce que des fils, on en dénude du matin au soir quand on bend. Donc ça, c'est vraiment important. Et je n'ai pas fait de photo du câblage, mais pour le câblage, je vous conseille de prendre du rigide et du souple, les deux, parce que selon ce qu'on fait... l'un ou l'autre sera plus ou moins bien adapté. Des clés. Alors, il y en a deux. Il y en a deux parce que ça permet de visser les jacks quand on aura fait les trous pour les jacks et les potentiomètres. Mais si vous avez d'autres clés, vous pourrez aussi visser, du coup, les bascules et les poussoirs. J'en parlerai un peu plus tard des demi-tailles. Alors, ici, une perceuse, évidemment, et une boîte de mèche. Alors, dans les mèches, ça, c'est une boîte de mèches où il y a des demi-tailles, par exemple des 5,5, des 6,5, des 7,5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de composants, quand on va les acheter, ils seront taillés en pouces et pas en millimétrique. Donc, du coup, il faudra des demi-tailles pour pouvoir les rentrer. Entre les Anglais et les Japonais, là, alors, nous, faut savoir s'adapter, quand même. Alors, nous, on va être plutôt... Dans les composants électroniques qu'on va utiliser, on va être dans la convention USA-Japon, on ne va pas être dans la convention Europe. Parce que nos fournisseurs, de toute façon, ils sont à l'étranger. Donc rassurez-vous là-dessus, les demi-tailles, vous verrez, ça, on s'y fera. Vous y ferez. Une troisième main, ça là, c'est indispensable. Ça permet par exemple de mettre dans une pince un potentiomètre et dans l'autre pince un câble, et pendant que vous tenez le fer à souder, le fil à souder. Il faut bien une troisième main pour faire ça. Ça, c'est indispensable. Ensuite... Excuse-moi, c'est une loupe avec des... C'est une loupe. Tu peux faire de la musique, mon frère. Ça, après. Ça, attends. C'est une loupe avec deux petites pinces. Donc tu mets les trucs dans chaque pince et puis après tu peux souder. Il faudra des pinces crocodiles, évidemment. Hein, ça, c'est l'outil de base. Il faudra un Matrix, vous ne le voyez pas, il est là. Enfin, c'est un testeur, un multimètre. Hein, pour tester la tension et la résistance. Ça, c'est important. Et si vous voulez aller plus loin, un oscilloscope. Alors, pas un comme ça. Hein. Ça, c'est un oscilloscope style années 70, 80 ou 90. C'est de l'analogique. Et c'est bien pour la déco, mais ça n'a rien à faire dans un atelier d'électronique actuel. D'accord ? Parle près du micro, Pat. Maintenant, il faut que j'insiste sur un élément. C'est la ventilation. La ventilation, c'est très important. L'électronique, la soudure, c'est extrêmement toxique. Il faut savoir que, pour l'anecdote, je ne sais plus comment il s'appelle, Doug Curtis, alors certainement que vous savez qui c'est l'inventeur des puces CEM qu'on retrouve dans des tas de synthétiseurs, dans Prophet, j'ai noté quelques-uns, Jupiter, SH101, hein, c'est les fabricants de processeurs, lui, il est mort du cancer du poumon à cause de la soudure. Hein, donc faites très attention, il faut ventiler. Ça, c'est vraiment une obligation. Maintenant, on va parler des composants. Alors, vous allez voir qu'avec quelques composants de base, vous allez pouvoir vraiment démarrer dans de très bonnes conditions. Ça, ce sont les jacks de sortie audio. Là, vous voyez celui du fond, là-bas? Je vous le déconseille. Je vous conseille celui-ci. D'accord, celui-ci, ça, c'est un 6,35 ou un 6,30. Ça dépend si on est en Europe ou aux USA. Et ça, c'est un 3,5. Alors pourquoi le 3,5 ? Parce que quand on va vouloir envoyer du voltage, ça c'est compatible avec l'Eurorack par exemple ou le MOTM. Alors que le 6, il faudra utiliser un convertisseur pour passer du 6,35 au 3,5. Et ça, on l'utilise aussi pour les sorties audio dans les jouets dans lesquels on n'a pas la place. Parce que ça c'est grand et ça c'est tout petit. D'ailleurs ici... Donc là le plus près de toi c'est un mini jack. Et au milieu c'est un jack. Ça c'est un mini, c'est le même qui est monté ici. C'est un jack, ouais. C'est le même que vous avez sur les Walkman, le mini. Alors, je vais vous annoncer les prix. Hein. Je vous guiderai vers un fournisseur étranger qui est en Thaïlande et qui a des prix défiant toute concurrence. Ouais, mais est-ce qu'on sait d'où il tient chez les jouets, le mec ? Les jouets ? Il va pas les voler chez des gamins ou quoi ? C'est des jouets, ils sont propres, quoi.
Tu parles de quoi? Non, mais là, je parle de quoi? Composants neufs. J'ai cru que tu te fournissais chez les Thaïlandais pour récupérer des jouets. Non, non, ça, c'est pour les composants électroniques. Vous allez comprendre pourquoi, quand je vais parler du prix des condensateurs, des potentiomètres, vous allez comprendre. Alors, ça vaut 40 centimes, ça vaut 20 centimes. Enfin, des dollars. Je parle en dollars. Hein, c'est 40 cents et 20 cents. Je parle en dollars parce que leurs tarifs sont en dollars. Sachez que le dollar, aujourd'hui, l'eurodoll, pour 1 euro, vous avez 1,8 dollars. Donc en fait, les prix que je vous annonce, c'est moins cher en vérité. Ça sera moins cher à la sortie. Les résistances, jamais que deux. Ça, c'est les résistances qui vont être utilisées à la sortie du haut-parleur, à la sortie du jack, pour remplacer le haut-parleur. J'utilise deux valeurs, des 10 ohms et des 5 ohms, en gros, en fait, ou bien 4 ou 8. C'est pour remplacer le haut-parleur, en fait. Ça vaut 4 centimes pièce. Les potentiomètres, je vous ai montré exprès trois modèles. Ça, c'est fait exprès. Alors, là-bas, vous avez un potentiomètre qu'on trouvera facilement en France, d'accord, que je vous déconseille vivement, qui est vraiment imprécis. Enfin, c'est vraiment un mauvais modèle. Ne les utilisez pas. En plus, ça vaut entre 1 euro et 2,50 euros. C'est hors de prix. Ici, vous avez un potentiomètre alpha. D'accord. D'ailleurs, ça, c'est un aussi. Mais ça, c'est un alpha qui est un peu la référence du marché. C'est ce qu'il y a dans toutes les guitares, dans toutes les pédales, tout ça. Ça vaut 40 centimes, d'accord, en Thaïlande. Ça, c'est la même chose. C'est beaucoup plus petit. C'est ce qu'on retrouve dans tous les synthétiseurs. C'est un alpha aussi. Des fois, ils sont bleus. Ce sont des Boons, c'est une autre marque. Ça vaut 60 centimes. Ça vaut 2 euros en France. Et c'est une grosse merde. Et là, vous avez des matériels professionnels qui coûtent. Alors, je vous dis, ça, c'est entre 40 et 50 centimes, et ça, c'est 60 centimes. Alors, une petite précision. Vous voyez ici, il y a un B. Alors, il y a un B, parce que ça, c'est un potentiomètre linéaire. Les A sont des antilogues. Les A sont des logarithmiques, les B des linéaires et les C des antilogues. Vous verrez qu'un peu plus tard, que je vous montrerai d'autres schémas où vous demandera certainement. Des antilogues ou des logs. Des boutons poussoirs. Alors, je les ai séparés en deux, parce que ça, c'est des off-on, et ça, c'est un on-off. C'est l'inverse. Toggle ou momentané. Ouais, ça, on va l'utiliser dans un reset, et ça, on va l'utiliser pour trigger. C'est l'inverse. Il y en a un qui coupe et l'autre qui ouvre. Il y en a un qui ferme et l'autre qui ouvre. Ça, c'est des composants à 10 centimes, je crois. Un 22 centimes, un push. Des bascules. Bon, on m'a vendu un push à 1800 balles il n'y a pas longtemps. Ça coûte 50 centimes. Il y a plusieurs versions. Il y a des on-off, des on-on, mais le on-on, ça suffira. D'accord, pour commencer. Et ça, c'est un petit potentiomètre ajustable, ça fait un trimmer. D'accord. Ça coûte pareil, ça coûte 5 centimes, je crois. Excuse-moi, c'est quoi celui-là? On ne comprend pas, là. 6 centimes. C'est un petit potentiomètre ajustable. On en aura besoin un peu plus tard pour faire des calibrages. D'accord ? Pour stabiliser le circuit bending. Et là, en fait, vous avez tous vos composants de base. Il n'y a besoin de plus rien d'autre. Bravo. Rien qu'avec ça, déjà, on va pouvoir commencer à faire des choses. Donc, on peut partir à la brocante ? Quasi. Et on est chaud, là. Les fournisseurs. Gotronic, pour tous les outils que vous ne trouvez pas à Brico Dépôt, c'est-à-dire la Bruxelles, la troisième main, tout ça. Là, chez Gotronic. Alors, je vous donne un fournisseur à chaque fois, mais il y en a plein, hein, bien sûr. Hein. Là, vous trouverez tout ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Par exemple, la boîte avec les petits tournevis, tout ça, c'est là. Ensuite, Taïda, qui est le fournisseur de référence. Alors là, allez-y, c'est vraiment super pas cher. Ça vient de Thaïlande, c'est un peu long à venir, des fois 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de frais de douane. Bon, c'est vraiment. Et d'ailleurs, on verra un peu plus loin qu'il y a énormément de fabricants de modules qui renvoient vers Taïda, en fait, pour acheter les composants. Il existe un autre fournisseur de composants, un peu plus évolué, qui s'appelle Mauser, un peu plus performant, si vous voulez, chez lequel on pourra trouver des tas de composants un peu spéciaux. Par exemple, des résistances à 1%, ça c'est des résistances à grade militaire, à 0,1%. On pourra trouver aussi des condensateurs WiMA, un peu haut de gamme pour les circuits audio, c'est quand même mieux. Enfin, on trouvera énormément de choses chez Mauser. On trouvera aussi ce genre de composants, alors c'est des transistors, et c'est tout à fait banal, mais ce qui est important, c'est qu'ils sont montés sur une bande. Et le fait qu'ils soient montés sur une bande, ça veut dire qu'ils sortent du même batch de fabrication, et du coup, ils vont avoir des caractéristiques proches, hein, ce qui évitera de les matcher quand on aura besoin. Alors, ça, c'est une street board. C'est
une stripboard, ou ça s'appelle aussi Veroboard. Alors je vous montre cette carte parce que vous avez vu maintenant, vous avez un atelier d'électronique, vous avez des fournisseurs de composants, vous avez tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Alors on va aller plus loin. Sur stripboard, c'est une carte qui... Ça c'est destiné à... C'est une carte qui est destinée normalement à faire des... fabriquer des prototypes. Alors, voilà un exemple de proto. Ici vous avez un filtre. Vous avez un filtre de Korg MS-20, d'accord, qui est un clone, du filtre. Là, il y en a pour 6 euros. Alors, allez-y. Faites-le. On va aller un peu plus loin sur les veroboards. Ici, je vous présente le site de Eddie Berman, sur lequel vous trouverez toute une liste, vous voyez là-bas, tout un tas de modules Eurorack qui ont été portés vers Stripboard. Alors nous, ça nous intéresse dans le circuit bending. Parce que vous voyez ici, c'est un filtre de clone, un clone de filtre de Pro One. J'allais le dire, je l'ai reconnu tout de suite. Hein. Tu l'as reconnu ? Très facile à réaliser. Et pour 3 francs 6 sous. Ici, un sample and hold. Alors ça nous intéresse à nous, hein, en circuit bending. Je ne rentre pas dans les détails de ce à quoi ça sert. Le LFO, un LFO de Kingston. En plus, hein, de Kingston, hein, c'est pas n'importe lequel. Encore un LFO, mais c'est un dual celui-ci. Un générateur d'enveloppe, mais très simple à réaliser. Et ici, quelque chose de très important pour nous, c'est un verteur. Vous voyez, c'est marqué dual voltage processor, en fait c'est un verteur. Vous verrez que le verteur, c'est comme un bouton de volume, mais destiné au voltage, dans lequel il y a un offset. Quand on va clockwise, quand on va dans le sens des aiguilles d'une montre, on va aller en positif, et quand on va aller à l'inverse, il va inverser le signal. D'accord ? Donc un LFO qui est en plus 5, on va le retrouver en moins 5. Ça, c'est quelque chose dont on aura besoin pour le circuit bending. Donc, excuse-moi, j'ai pas bien compris. Donc les streetboards, tu appelles ça ? Oui, c'est une carte qui est destinée, logiquement, à fabriquer des prototypes. D'accord. D'accord ? Et ça, en fait... ça évite de le faire sur une... Ça évite sur un circuit imprimé. Ça évite de le faire sur un spécial. C'est une carte à proto, mais en fait, il y a énormément de choses. Je vais vous en montrer d'autres qui existent sur des cartes à proto. Ah mais t'as même pas besoin, non, ça tu le fais à la maison. La stripboard tu l'achètes et tu fabriques ton circuit. Ici vous avez un Guitar FX Layout, c'est un site qui est vraiment intéressant sur lequel il y a énormément de veroboard. Rien qu'en overdrive, 392 circuits. Hein, vous avez de quoi vous amuser. Alors, je vous montre ce circuit-là parce que vous voyez, il faudra commencer avec des circuits comme ça, des circuits simples. Ça c'est un circuit qui est très complexe, il ne faut pas commencer avec des circuits comme ça. Je vous remets celui qui était juste avant. Vous voyez, commencez avec ça. Déjà, c'est pas mal. Regardez, si on fait... Là, j'ai fait VCO Stripboard sur Google et regardez tout ce qui sort. Hein. Il n'y a que l'embarras du choix. Des VCO, vous pouvez en fabriquer des VCA. Ce que vous cherchez, vous trouverez n'importe quel schéma sur Stripboard. C'est extrêmement facile à trouver. Alors, vous avez vu que la majorité de ces modules sont alimentés en format Eurorack. Ici, chez Frequency Central, voilà, vous trouverez, là-bas, vous trouverez une board comme ça, avec une alimentation et 8 slots pour de l'Eurorack. Ça coûte 20 livres, et pour la construire, il faut 6 euros. D'accord ? Pour 25 euros, vous avez votre alimentation Eurorack. Et tout ce que vous avez construit, il faudra bien les mettre dans des boîtiers. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure le boîtier de la souris, sur laquelle j'ai fait le boîtier de Furby, j'avance... Ouais, ça c'est un MIBLIP que j'ai construit, ça c'est un boîtier que vous trouvez, d'accord, là c'est moi qui ai imprimé juste un panneau que j'ai designé, que j'ai plastifié et que j'ai collé sur la plaque en dessous qui est en aluminium que j'ai prépercé avec un gabarit. Donc là vous pouvez dans ce genre de boîtier intégrer vos pédales d'effet de guitare par exemple. Ici ça c'est un synthé modulaire que j'ai fait avec une valise de supermarché qui coûte 30 euros, d'accord, donc vraiment les boîtiers... ne vous embêtez pas avec ça, c'est tout à fait possible d'avoir des boîtiers performants et relativement pas chers. Je reviens chez Taïda au sujet des guitares, des effets de guitare. Tout ça, ce sont des cartes pour fabriquer des guitares et regardez les prix. 7 dollars, 6 dollars, ça coûte rien. On n'est pas obligé de le faire sur Veroboard. Alors ça, ce sont des boîtiers si vous voulez les mettre en boîte, évidemment, éventuellement les pédales. Ça, c'est un site américain qui vend des tas de cartes, d'accord ? Rien qu'en overdrive, il y en a 500 disponibles. C'est pareil, c'est pour fabriquer des cartes d'effets, des cartes essentiellement des effets de guitare. Mais attention, je vous mets en garde sur un élément. Vous voyez ce composant-là, ici, là ?
Ça là, c'est un composant CMS. Alors surtout, ce sont des composants électroniques miniaturisés. N'attaquez pas des objets en CMS parce que vous n'y arriverez pas. C'est trop compliqué à souder, c'est trop petit. Quelques sources d'informations. MFOS, qui est vraiment la référence pour les électroniciens, les gens qui aiment la synthèse, qui est un des sites références et un des plus anciens surtout. Mode Wiggler, sur lequel vous trouverez énormément d'informations sur la synthèse. Ici, on peut être en contact avec tous les fabricants de modules, puisque tout le monde y est sur ce site. Il y a aussi une grosse partie circuit bending, où vous aurez énormément d'informations, très très poussées, très évoluées, puisque Mode Wiggler, c'est quand même la référence des électroniciens. Ici, vous pourrez aussi acheter des tas de choses en Eurorack ou en d'autres formats, hein, mais à des prix défiant toute concurrence. Il n'y a pas un artiste qui s'appelle Meuf Wiggler ? Ah d'accord, c'était ce site-là, et maintenant il s'appelle plus Meuf Wiggler, qui veut dire quand même remueur de chatte. Hein, oui, c'est ça, en fait. Donc là, ils ont Mode Wiggler. Okay. Avant, ça s'appelait Meuf Wiggler, effectivement. Donc c'était un gros mot. En tout cas, c'est un site de référence, quand même. Hein. Vous avez electromusic.com, qui là aussi est un site de référence, où il y a énormément de choses sur le circuit bending, très très intéressantes, et sur la synthèse en général. Hop. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le live. Ok. Non, comme on a fait un peu de choses qui étaient chiantes. Oui. On va faire 3 minutes de pause musicale. Alors, tout ce que je vous ai amené, tout ce que je vous ai montré là, les verres au bord, tout ça, c'est quand même pour à terme pour vous amener vers la synthèse. Hein. Parce que la synthèse, la synthèse modulaire particulièrement, c'est vraiment un très bon outil d'apprentissage de la synthèse. Je vais vous mettre 3 minutes de musique, de synthèse. C'est une sélection de plusieurs personnes. J'ai quand même fait un parti pris au niveau du choix des acteurs. Comecei a estudar um sintetizador, né, quando eu comecei a estudar como construir o próprio som a partir do zero. Eu tenho os controles todos analógicos, ou seja, eu tenho os controles na mão. O sintetizador modular, semi-modular, ele te amplia, ele faz com que você tenha novas possibilidades sonoras.
Ouais, bravo, ils sont forts, eux. Bravo, Batou. C'est que des meufs, hein. C'est que des meufs. Que des meufs, il y avait que des meufs. Est-ce qu'il y avait Caitlin? Caitlin, il n'y avait pas Caitlin. Qui avait été présentée au Loop à Los Angeles par Ableton. Caitlin. Elle est trop forte. Patou, comment on fait du circuit bending? Parce que tu nous parles, tu nous montres des belles choses, mais je croyais que tu allais nous montrer comment on faisait. Ben ça y est. Ça y est, on y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Parti. Non, c'est alors, live. Non, c'est pas le live, c'est le faire. Le préparer. Là, maintenant, je vais utiliser comme support le livre de Reed Gazzala que vous pourrez très facilement trouver. Je vous invite à le trouver. Alors, on va maintenant parler du processus de circuit bending et de comment on fait pour circuit bender un jouet. Alors, le doigt, regardez bien, c'est un outil qui est magique. C'est juste le doigt sur le circuit, le doigt mouillé. Mais on va le faire tout à l'heure. Le doigt sur les circuits, ça va être le premier outil que vous allez utiliser pour faire des... Ouais, le doigt mouillé. Ah ouais, ouais, c'est... Il faut le faire, le doigt mouillé. Ouais, tout à fait. Celui qui voudra le faire, il va venir le faire, là. Deuxième outil, un tournevis dans chaque main. Et en fait, c'est, du coup, ça s'appelle un body contact. C'est le corps... Ça existe dans les jouets, on en fait des fois. C'est le corps qui va faire le contact. C'est un contact très, très faible. Excusez-moi, c'est un peu long, mais alors ici, vous avez cet outil-là, d'accord? Cet outil-là, vous voyez, c'est deux pinces crocodile, c'est une pince crocodile avec deux tournevis, donc c'est contact direct. Ça, c'est super, ça permet de tuer 90% de vos jouets. Donc ne l'utilisez pas, ne vous servez pas de ça. De ça, il en parle un peu plus loin. Il explique que c'est vraiment un outil destructeur. Grâce à ça, vous pourrez casser la majorité de vos jouets. Ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt un autre type d'outil. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, c'est une roue à résistance, donc de croco. Et à l'intérieur, dans la roue, on choisit la valeur qu'on veut. Mais ça, si vous ne le trouvez pas, rassurez-vous, on va le fabriquer de cette manière-là. Tout simplement avec un potentiomètre et deux pinces croco. Et ça permet de hacker le circuit. D'accord ? Plutôt un méga là-haut, pour la valeur. Ah oui, je ne vous ai pas dit les valeurs des potentiomètres qu'il fallait acheter. Ça sera prévu dans un fichier texte que vous pourrez récupérer. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de schémas qui sont vraiment très intéressants. Je vous en montrerai un. Juste un schéma, mais pas une réalisation. Mais, ah, c'est pas celui-là. Voilà, ça c'est un schéma de patch B. Ça c'est quelque chose qui est fascinant, vous le retrouverez dans des jouets très évolués, surtout les jouets à synthèse FM dans lesquels on peut couper les traces entre le CPU et l'OPL. Et en fait, on recâbler le patch B. Ici, comme vous voyez dans le schéma, il a fait avec des résistances de ce type-là. Ça on ne le retrouvera pas, ça. Ça c'est vraiment très ancien. Maintenant, ça sera des réseaux de résistance. Mais l'idée, elle est là. L'idée du câblage du patch B, c'est vraiment ça. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant en bending, de pouvoir rerouter le signal dans un circuit. Par contre, alors, ça c'est le schéma de le câblage qu'il propose lui pour la sortie audio. Moi je suis carrément pas d'accord avec ce schéma. Alors, ici là vous voyez, il y a un interrupteur. Ça c'est nul parce qu'en fait c'est le jack qui fait un interrupteur. Les jacks en fait ont deux circuits, un qui est fermé quand le jack n'est pas utilisé, et lorsqu'on branche un jack, il y a un circuit qui est ouvert et l'autre qui est fermé. Donc ça, la bascule, c'est fait par le jack. Le trimmer, c'est pas la peine, il suffit de mettre une résistance en parallèle là sur la sortie, et ça c'est de la valeur du haut-parleur qu'on supprime bien sûr, et c'est suffisant, pas besoin de trimmer. La LED là-haut, j'en parle même pas. La LED, voilà ce que ça donne quand on introduit une diode dans un signal. Un circuit audio, c'est ça le schéma qu'on voyait sur le PDF de Reed Gazzala. Et ça, en fait, ça produit un drop de voltage. Ça s'appelle une résistance de clipping. C'est utilisé ça en général. Cette technologie, on l'utilise dans les overdrives. D'autres schémas de clipping. Oui. Il va falloir faire.
va nous montrer comment on fait du pending, parce qu'il est bientôt l'heure d'arrêter, mon cher ami. Ah non, hein. Ah bah si, un peu, bientôt. Donc, montre-nous comment on fait du bending, et après, peut-être qu'on pourrait regarder plus de diagrammes. Mais tant qu'on ne sait pas de quoi tu parles, moi, tu me parles de choses, moi, je n'ai jamais fait de bending, je ne comprends rien. J'aimerais bien voir comment tu le fais avant tout, parce que comme ça, peut-être ça mettrait en contexte. Alors, ok. C'est ça qu'on veut voir, moi, je pense. Moi, j'aimerais bien voir du bending. Comment on fait du bending? Parce que je comprends pas ce que tu dis tant que je sais pas de quoi, que j'ai pas vu comment tu le faisais, mon vieux. Ok, alors je fais quelques sauts là. Alors maintenant, je vais vous apprendre à faire le bend de base, d'accord? À titre d'exemple, j'ai pris ce jouet qui sera l'exemple du bending. Enfin, donc, sera pour la photo. Je l'ai ouvert, il ressemble à ça. Ici, ça, c'est le noyau du jouet. De l'autre côté, vous avez le processeur. Vous voyez là, ça s'appelle un COB. C'est un circuit intégré qui est imprimé sur une carte sur laquelle il a été coulé une céramique. De l'autre côté, ici, il y a une résistance. Quand vous trouvez cette résistance qui est à côté du COB, vous avez le bend du pitch qui est là. À partir du moment où vous avez ce bend-là, alors, pas toujours... Il est là, on va le faire d'abord le bend. Alors, Est-ce que si tu es un circuit de bender et que tu vois une résistance à côté du... Comment tu as dit que ça s'appelle le COB, ouais. Est-ce que tu as une petite érection quand même? Non, tant que tu n'as pas mis le doigt dessus. Moi, le doigt mouillé dessus. Alors, on va bender ce jouet. Est-ce que je suis plus dans le bon sens là. C'est lui. Hop. Hello. Alors, hey. Alors, il est comme ça. Alors, quand on vient de jouer, il faut aussi essayer de comprendre comment il fonctionne. Celui-là, là, hein, ce jouet, quand on appuie dessus, il a les bras qui se lèvent, et quand on charge les bras, à un moment donné, il s'éjecte et il produit un son. D'accord? Ça veut dire que dans la colonne qui va remonter, en fait, il y a un micro-switch. Ce que j'ai fait, il est là, je l'ai démonté. Voilà. Ici, j'ai remplacé le haut-parleur par un jack. D'accord? Et ce que j'ai fait... C'est que ce jouet, il a un bouton marche arrêt. D'accord? Alors, quand le micro-contact qui est dans le bonhomme là, qui s'éjecte, il est soudé et qu'on met en route, à ce moment-là, le signal se lance. D'accord? Du coup, j'ai mis un bouton de recette sur l'alimentation, ce qui permet de trigger le son. Alors, je vais faire écouter. Comment tu parles? Là, tu vas pouvoir te bender devant ton chat. On va me vous montrer, monsieur, là, sur l'écran. Je mets la carte. On va vous changer de... On va essayer de vous montrer ça à l'écran. Ne bouge pas, Basile. On ne bouge pas. On n'arrête plus, Batou. Alors, est-ce que ça vient? Allez, s'il te plaît, viens. Oh! Ouais, non, bientôt. Avec vos copains. Oui, non, les copains. Eh ouais, ça va venir, attendez. Oh, c'est beau ça. Attendez, c'est un petit. Pas toi, je te mets en plein écran, mon vieux. Yes. Ouais. Yeah. Techno Freddy. Bravo. Yeah, baby. Alors, vous avez vu, là, on est sur un circuit qui est super simple. Hein. Plus simple que ça, on ne peut pas faire. Le fait d'avoir mis un bouton sur l'alimentation, ça permet maintenant de le trigger. Alors, à partir du moment où on peut le trigger comme ça, ça veut dire que là, je peux envoyer du voltage et le contrôler depuis un synthé modulaire ou un séquenceur à relais. D'accord? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux le séquencer comme je veux, s'il veut bien démarrer. D'accord? L'idée, elle est là. Déjà, on peut le séquencer. C'est juste que là, on a un bouton poussoir, mais on pourra le remplacer par d'autres outils. Alors, est-ce que tu peux mettre ton doigt mouillé, là, par exemple? Je vais le faire, le doigt mouillé. Vas-y. Alors, regardez, vous mouillez le doigt. C'est très scientifique. Hein. Vas-y. Oh, 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 oh. Là, on a trouvé. On sait que c'est là. C'est là. Ouais. D'accord. Alors, le point G du le potentiomètre du jouet, avec quoi. Les fesses crocodiles. Regardez bien. Hein, vous avez donc le potentiomètre, comme je vous ai montré à l'écran, qui vient de chez Taïda. C'est un alpha.
D'accord. Maintenant qu'on a la résistance, on va se mettre d'un côté et de l'autre. Mais non, c'est pas ça. Je vais le tuer. On va aller à la terre. Je vais à la terre, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours là qu'il faut aller. Oh, ici, ici, tout est bien. Mais oui déjà, on pitch up. Ok. Il est branché à l'envers. Alors, attends, il y a la musique de Pascal tout à l'heure. Il pitch pas down le... Le pitch n'est pas allé en bas, et c'est ce que je voulais. C'est parce qu'ici, vous voyez, le rouge et le jaune, je vais les inverser. Bon, bah, attends, il faut que je remonte le bordel pour qu'ils ne voient pas les gens. Eh oui, parce que là, bon. Normalement... Ça, c'est bon, là, c'est bon. Ah là là, c'est lourd. Maintenant, on va avoir un pitch down. On a une TB300. Wow. What? Tigrou, il est en forme, hein. Est-ce qu'on peut dire que ce jouet est particulièrement efficace? Alors. Je vais quand même vous expliquer ce qui se passe en réalité. Il faut que vous sachiez que dans ces jouets, ça, c'est un lecteur de sample. Alors, à l'intérieur, c'est juste un sample qui est enregistré, et nous, on est capable de tirer ce sample jusqu'à 5 minutes. Donc, imaginez la texture qu'on sort du sample. Ah. En fait, il faut savoir que dans la majorité des jouets, ce qu'on entend, c'est un sample. Et nous, ce qu'on fait, c'est ralentir la lecture du sample. Et on peut, des fois, on a des samples qui durent 2 secondes dans le jeu original, mais nous, on peut les étirer jusqu'à 5 minutes. Alors, et forcément, on va en tirer des textures assez incroyables. Vous avez remarqué que ce que je vous montre, c'est vraiment de l'électronique de base. Il n'y a pas de diode, il n'y a pas de condensateur, il n'y a rien. Hein, c'est juste envoyer du voltage de manière brute et sauvage dans les circuits. Hein. Et c'est vraiment, c'est pas technique du tout. Donc vous avez vu un bend en live, vous l'avez entendu, c'est très facile à faire. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre un peu comment fonctionne le jouet. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne le jouet, là par exemple, vous n'auriez pas fait de bouton reset et du coup, il était impossible de le trigger. Du coup, je suis un peu perdu. Donc vous avez vu un bend, mais je vais quand même y revenir. Je vais y revenir sur ce qui est possible de bender. Qu'est-ce que tu vas lui faire là maintenant à ton jouet ? Surtout, ce que je veux, c'est qu'à la fin, vous sortiez d'ici et que vous le fassiez chez vous, que vous sachiez alors, le faire. Ah, ok. C'est ça mon objectif. Eh oui, on a bien compris. Mais nous, on a Ableton Live 12 maintenant. On est content. On a déjà pas mal de trucs à poncer là, hein, depuis qu'il est sorti cette semaine, si tu veux. Ouais, mais attends, parce que tu me fais perdre le fil là, tes conneries. C'est ça le problème.
On remet son écran ? On remet ton écran ou on laisse ta main ? Non, non, je mets l'écran. D'accord. Je mets l'écran, là. Alors, du coup, je vais revenir. Je suis obligé de faire un petit retour en arrière. Je suis obligé de faire un petit retour en arrière. Alors, les schémas. Lorsque vous allez collecter les jouets, vous pouvez faire de la recherche, comme vous l'avez vu, avec le doigt, mais sachez qu'il existe énormément de schémas. Il y a beaucoup de circuit benders sur la place qui ont fabriqué, qui ont modifié beaucoup de jouets. Et en fait, il existe beaucoup de schémas. Je vous en présente un. C'est un schéma de Casio SA2 qui est extrêmement complet. Franchement, pour construire un truc comme ça, je vous garantis que c'est de la folie. C'est très intéressant, ça évite de faire de la recherche. Et surtout, ces jouets-là, vous les trouvez partout. Hein. C'est vraiment quelque chose de très commun. Je vous montre un autre schéma, un Casio MT-55, qui est un schéma magnifique. Alors, vous voyez là-bas, il y a l'entrée, il vous montre comment câbler l'entrée pour LFO. Je vous montrerai le schéma du LFO un peu plus tard, le LFO qu'on utilise pour les jouets. Ça, c'est le schéma de ce jouet-là. Ça, c'est le schéma, alors regardez bien ici, avec du LFO et surtout la réinjection. Ce schéma de réinjection, on peut l'utiliser dans d'autres jouets. Ça, c'est le schéma. Ça, c'est le LFO, le schéma du LFO, je passe. C'est le schéma de ce jouet qui a été présenté au MOOCFest en 2015, je crois, 2010. C'est pas rien, hein. Avoir la chance d'avoir ce schéma d'un jouet qui a été présenté au MOOCFest, je vous le dis, c'est cool, hein. Donc, allez-y, si vous trouvez ce jouet, appliquez le schéma. Ne cherchez pas à le fabriquer vous-même. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'il y a un Argus du jouet ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut regarder... si je tombe sur un jouet, sur une brocante, est-ce que je sais que j'ai un bon potentiel de bending dessus ? Il y a quelqu'un qui a fait ça ? Un répertoire des jouets les meilleurs pour bender ? Je sais pas. Un truc. Non. Non. Bon. Non. Le circuit bending, c'est quand même très artisanal. Je vais donner des sources quand même de recherche. Je vais vous en donner. Bon, moi, j'en connais. Il y a la brocante de Palavas. Par exemple, mais il faut y aller, oui, bien sûr. Il faut y aller. Ça, c'est quand vous faites juste une recherche, par exemple, sur les dictées magiques, vous trouverez des tas de circuits, des tas de schémas, notamment celui-là, là, qui est là, je ne vois pas, celui-là, là, qui est une pure merveille. Et voilà, c'est pour vous, juste pour vous donner une idée, en faisant juste quelques recherches, vous trouverez des schémas. Là, ce sont d'autres schémas de circuit bending. Vraiment, vous trouverez des tas de schémas sur le net, c'est très important. D'essayer de d'abord, avant de pirater des choses, d'essayer de reproduire des schémas, c'est vraiment bien. Ça, c'est un bending de Korg Monotron. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui hackent des synthés. Et ça, c'est un Monotron. Tout à l'heure, dans la vidéo de présentation, vous avez vu un circuit bender qui s'appelle Benoît Gilles, qui était sur un Casio PT31 et un Monotron delay circuit bendé. Les sources. Casper Electronics, c'est une des références du circuit bending. Alors lui, en fait, il ne fait plus de circuit bending, il travaille chez DSI maintenant. Il est ingénieur chez DSI. Là, des schémas très intéressants. Un anglais, circuitbender.co.uk, qui est vraiment un site très intéressant, où là, vous voyez, sur la liste à côté, lui, il n'y a que n'importe quoi, DSH101, de tout. Cannibal Caniche, c'est pareil, c'est un bon site où vous avez beaucoup d'informations sur le circuit bending. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Est-ce que tu pourrais dire que, quand même, ce qu'on a vu en première partie, au tout début de ta présentation, on a quand même entendu de la musique très expérimentale ? Oui, c'est le problème du circuit bending, c'est que c'est très associé à la scène noise. Oui. Et tu as vu, moi, j'essaye de faire carrément autre chose. Ouais. Moi, j'essaye d'apporter toute la modulation avec live, parce qu'en synthèse, en vérité, c'est pour ça que c'est important de faire la synthèse. C'est toujours très noise. Ouais. On sait que c'est la modulation, c'est quand même plus important que l'oscillation, enfin, à mon sens. Mais c'est pour ça que moi, ce que je fais, j'essaye de pouvoir l'amener sur scène. Alors que je trouve que les zones, les autres, ce qu'ils font, c'est un peu compliqué. Non, mais il y a effectivement, il y a une scénographie tout de suite dès que tu as des jouets autour de toi sur scène que tu fais du son avec, évidemment. Ouais, bon. Mais il faut que ça soit audible aussi pour le public. Ah oui, mais bon, en général, c'est que du noise, hein. Enfin, c'est souvent du noise. Datamat qui référence tout ce qui est dicté magique avec les circuits. Alors ici, c'est un peu particulier. C'est un site qui s'appelle Western Schedule, je ne sais plus comment, mais surtout, il a une.
une section là-bas, Warranty Void, que je vous conseille vivement de lire, où vous allez apprendre des tas de choses. Alors lui, il a décrit plein de circuits. Il y a aussi toute une liste de jouets où on sait que c'est des FM, de la table d'onde, et il décrit aussi pas mal de jouets. Là, vous trouverez énormément d'informations intéressantes sur le circuit bending, et particulièrement sur un phénomène qui s'appelle le cancer des circuits intégrés. Paul in the Lab. Là, c'est pareil, vous avez énormément de circuits très intéressants. Et, par exemple, le LFO qu'on va utiliser dans le jouet, sur Vero Board, il est là. Hein, vous le trouvez chez Paul in the Lab. Chez Gotronic, je fais juste un petit écart. Chez Gotronic, vous trouverez ce kit qui s'appelle un truqueur de voix, c'est ou voice robot à l'étranger. Génial. Pour aller 13 euros. Ça, wow. C'est extrêmement utilisé en circuit bending et ça, c'est hardcore bendable. Je vous montrerai où. Ça, regardez, ça coûte 3,50 $. C'est un delay, c'est une reverb, mais quand on le modifie, ça devient un delay. C'est hardcore bendable. Et ces deux outils ont été utilisés là-dedans dans le gagnant du Moog Challenge 2019. Mais non, j'avais pas compris, il y a un Moog Circuit Bending Challenge. Bien sûr, ouais. C'est ça que tu disais tout à l'heure, le copain qui... Oh là 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 là. Moog Fest 2010. Ça, c'est le 2019, il a gagné, et à l'intérieur, il y a ces deux circuits. Et ces deux circuits, le Voice Changer et le Delay, sont très très utilisés en circuit bending. Génial, first place winner. Ah ouais. Il a gagné. Ça, ça, on l'a déjà vu. Si vous l'avez vu... Je vous remontre la résistance qu'il faut chercher. Ah, j'ai eu une petite érection là. Ouais. Oui. Ouais. Alors, quelquefois, vous n'aurez pas de résistance, vous aurez ce genre des cristaux comme ça, des quartz, ou bien un autre type de composant, les résonateurs céramiques, surtout celui-là. Là. Oh là là. Bas, celui-là, c'est celui des tickets magiques. Alors ça, pour hacker ce genre de jouet, d'horloge, en fait, il faudra ça. C'est un oscillateur à haute fréquence qui s'appelle LTC1799 et ça vous le trouvez chez circuitbender.co.uk. Wow. Avec la procédure d'installation. Ça c'est le jouet qu'on a hacké. Eh oui. Et ben voilà, ben alors c'était superbe. En tout cas, on a du mal à t'arrêter parce que t'es extrêmement passionné, Patou. Mais c'est pas fini. Mais non, mais c'est fini parce que on a passé l'heure, mon vieux. C'est pas fini. C'est pas fini. Je te laisse encore un peu de temps. 5 minutes. On doit fermer la boutique après. Eh ben écoutez. Du coup, il est extrêmement passionné, il est impossible à arrêter. Mais tu fais ça à temps complet, Patou ? Non. Non. Vous avez vu, on a envoyé le bend qu'on a fait là, juste avec un potentiomètre. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait où juste avec la même chose, j'envoie juste du LFO dans le potentiomètre. Allez. Sans calibrage, sans rien. Et d'ailleurs, je vais le faire cracher. Je vais le pousser au maximum de ce que j'ai pu le pousser. Et tu l'as pas tué quand même, tu l'as... Normalement, il devrait fonctionner encore. Alors vous voyez, c'est juste un LFO carré qui est relié au potentiomètre. Fait. Alors, par contre, pour faire ça, c'est très important d'avoir un module qui s'appelle un attenuverteur. Hein. C'est vraiment, je vous montre une petite photo de ce que c'est un inverteur. Voilà, il y en a deux, il y en a un là et un là. Le MVP, là, ça c'est un Manhattan analogue. C'est un produit, c'est un outil dans lequel vous mettez le signal à l'intérieur, et à la sortie, il sortira soit la même chose, la copie, soit l'inverse du signal. Et surtout, c'est comme un bouton de volume, en fait. Ça permet d'envoyer très peu de voltage dans le jouet. Sachant que ça, c'est du plus 5 volts en modulaire, et il y a des jouets, ça, là, il y a deux piles, c'est un jouet en 3 volts.
Hein, donc envoyer du 5 volts dans un 3 volts, bon. Ah, c'est pour ça que ça a cassé. C'est pour ça que ça casse parce ouais, que. Tu... parce que je suis allé, je l'ai fait friser. Je suis allé trop loin. Ah, ouais. C'est pour ça que les petits trimmers servent à ça, ça sert à faire un outil de calibrage. Et après, il marche. Et après, il marche plus. Ça dépend desquels. Parce que, excuse-moi, tu tues des jouets là, tu tues des jouets dans ton atelier et toi tu dors bien la nuit. Ouais, mais celui-là, si tu veux, je peux en acheter 20 par jour. Ah là là en là. En fait, là. Il y en a plein de celui-là. Là. C'est pas grave. Je vais vous montrer une autre petite vidéo avec des trigues maison. Il en a 350, il en a fait 2000. Ça vous a plu ? Bravo ! Alors, un mot de la fin. T'as vraiment envie de convertir les enfants pour qu'ils transgressent leurs jouets. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des enfants de 8 ans qui t'ont vu ce soir et qui ont plein de jouets dans leur chambre ? Ouais, mais non, alors... c'est plutôt les parents. Achetez des jouets à vos gosses, des jouets, surtout des jouets comme ça, parce qu'au bout de 5 minutes ils en ont marre et du coup vous les récupérez pour vous, hein, parce que c'est vrai les gosses, tous ces trucs là c'est des fichiers en vérité, ce qu'ils aiment c'est les consoles de jeux. Achetez ça à vos gosses, surtout ne votez pas écolo, parce que c'est pour nous c'est la mort, puisque nous ce qu'on utilise c'est des trucs en plastique qui sont importés de Chine, hein, en masse, des choses de basse qualité importées de Chine en masse. Donc ne votez pas écolo, c'est la fin du circuit bender. Voilà. Bravo! Générique de fin. Bon. Attendez, j'ai un petit générique pour la fin. Ah, générique pour la fin, d'accord. Thank you.
J'avais dit que c'était du noise. Messieurs, dames, un grand ovation pour Patou. Tu nous as fait rêver, Patou, tu nous as fait rêver. Merci. C'est ça les passionnés, quand ils commencent, on ne peut plus les arrêter. Hein. Bravo, félicitations pour ta passion, Pat. Et merci de l'avoir partagé avec nous. On est au bord du gouffre avec toi. Hein. C'est dedans, c'est ce que tu veux, que les gens viennent dans ton... Ouais, j'ai bien vu. Donc félicitations. Je crois que ça a beaucoup plu à Pascal qui a fait la première partie. Bravo, Pascal, merci encore. Je crois que c'était très compatible, hein, vos deux. On a baigné dans la folie douce. Hein. S'il y a des gens qui veulent les informations complémentaires, vous pouvez m'écrire dans ma mail, c'est pas tout, patou.com. Pas compris. Comment, Patou, comment? Patou, P-A-T-O-U-U, @free.fr. Alors, merci d'avoir été là tous et toutes. On a encore appris des trucs de ouf. Et je le répète, le 28 mars, dans deux semaines, on a un événement très spécial ici. On a Jacques qui viendra nous présenter Granulator 3 et Meld. Donc il va faire quelque chose d'assez proche du design sonore avec les nouveaux outils de Live 12. On aura aussi son copain, mon pote, Can Blaster. Donc Can Blaster qui lui va nous parler du développement sur des LFO qu'il fait avec des amis. Et sur certains VST qu'il utilise régulièrement, qu'il voudrait nous présenter pour qu'on soit au courant de choses qui se passent dans la musique industrie. Suite à ça, alors on va commencer un peu plus tôt, on va commencer à 7h, parce qu'on a une soirée très chargée. Donc on va faire du 19h, 21h avec Jacques et Can Blaster. Et 21h30, 22h30, 22h30, on aura des live sets des élèves de Fastlane qui sont en fin d'études. Ils sont 4, il y a leur prof qui est là. Et ils viendront nous présenter leur live set juste après Jacques, donc ils ont un peu le... Voilà. Et après là, on va enlever les tables, on va enlever tout ça, on va danser pendant qu'ils jouent. Et après, on a Paul, donc Beat & Juice, qui sort sur le label de Fast Fame Records, le label de l'école de Fastlane, qui sort un EP de trap qui tâche. Je vous explique. Bon, à chaque fois qu'ils jouent, de toute façon, c'est blindé la scène. Enfin, vous allez enlever vos t-shirts, vous allez danser, vous allez vous sentir trop bien. Ça va être une folle soirée, le 28 mars jusqu'à la fin, hein, minuit et demi, même 1h moins le quart si on peut gratter un peu. On ira jusqu'au bout de la nuit. Alors, c'est pas commun d'avoir deux parties comme ça avec des présentations, genre comme on a vu ce soir, et après d'avoir de la musique, d'habitude on fait l'un ou l'autre, mais là on fera les deux. Voilà. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Merci à Pascal pour sa présentation. Merci à Patou pour sa deuxième présentation. Vous êtes géniaux, les gars, on vous adore. Merci d'être venu. Alors, on va remercier le Blackout, comme d'habitude, pour nous avoir reçus. On est au centre de Montpellier. Ils sont super, deux salles, deux ambiances. On a aussi Chavi à la technique du son. On a Chris à la technique vidéo. On a Paul et Tim à la technique du cours. Et on a Freddy. Et on se voit dans un mois.